document-là, qui vient du livre que vous avez aussi, sur la deuxième DB, donne la définition interne de la deuxième DB. Mmh. Donc, groupement Dio, groupement Langlade, groupement Guillemont, groupement Rémy. Bon. Vous, vous étiez groupement Langlade. Là, j'étais là. Et vous, vous étiez le douzième chasseur. Douzième chasseur. D'accord. Donc, le GTL, il n'y a que le GTL qui passe. Mais pour l'artillerie, il y a un, deux, trois. Trois qui sont regroupés pour tirer. D'accord. Chaque Langlade, je récupère, si vous voulez. Ah, d'accord. Parce que ce qui se passait chez nous, c'est que quand le patron avait besoin de deux régiments de chars, eh bien, il les mettait aux ordres de deux. Oui. J'ai changé plusieurs fois, moi. De patron. Je suis passé du groupement de Langlade, je suis passé au groupement Dio. L'exemple, c'est à Saverne. Oui. Rouvillois est passé avec de Langlade. Oui. Et pour compenser, Benjenet est passé avec Dio. D'accord. Mais ça, ça nous arrivait, ça, hein. Non, mais on le faisait souvent, c'est ça. C'est une habitude. Alors, les trois artilleries, il avait besoin de toute l'artillerie, oui. Et bien, hop, il regroupait sous les ordres de Langlade ou de Dio. Oui, 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 oui. Il regroupait toute l'artillerie. En plus, je me demande s'il n'y a pas eu des Américains, de l'artillerie américaine. Alors, c'est la 90e qui avait son unité de... qui avait... Non, ben, ils ont bien... Qui avait... Alors, ça, je l'ai... Ils ont dû participer. Mais quand le patron avait besoin de deux régiments de chars, eh bien, ils les mettaient ensemble sous le commandement des régiments de chasseurs de chars. Oui, oui. C'est pareil. On mettait tout le régiment avec l'un ou avec l'autre. Ou bien, on séparait, on mettait des... Grande mobilité. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est une... Ça, c'est une articulation qui était propre à notre division parce que les Américains ne faisaient pas ça. Non. Non, les Américains étaient très rigides. D'une part, ils étaient plus petits en quantité. Oui, nous, on était 16 000. Oui. Si vous prenez la 90e, il devait y avoir le 358, 357, 358 et 359 qui composaient la 90e américaine. Mais pratiquement, c'était que trois régiments et rigides au point de vue structure. Plus rigide, après. Tandis que nous, on n'était pas rigide du tout. D'accord, c'est... Quand le patron, on faisait un coup, il y avait tous les chars ensemble, la main, il y avait un char, un machin de char avec autre chose. Donc, la question est la suivante... Vous me demandez si j'avais quelqu'un avec nous. Ah ben, si on va prendre... Il y avait la 7e compagnie et le 3e escadron.